Attends, ça se trouve, il va lâcher un lourdon, mais c'est pas sûr. 1 554 568 000 French coins de dons! Oh putain, sa mère! Ça fait trop plaisir! Eh bien, salut tout le monde, c'est moi, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, les amis, je pète la forme. Aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft pour un nouvel épisode de Skyblock en compagnie d'un nouvel invité, il s'agit de Fripouillex. Coucou Fripou! Salut tout le monde! Comment tu vas? Bah bien et toi? Ouais, la forme, merci, merci. Alors, pour les gens, bah écoutez, ça fait quelques temps qu'il y a eu quelques petites améliorations. Quelques temps. Il y a eu beaucoup d'améliorations plutôt en votre absence. Notamment, bah en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, première chose, Fripouillex fait partie de l'île maintenant, désormais, avec son acolyte, Iradoxy. Et il y a eu pas mal de petites nouveautés sur l'île qui ont été faites, comme par exemple la machine à mob, qui maintenant est une machine à XP également et une machine à... pour farm, donc en outre grâce à ce petit bouton magique qui est juste là, avec un pseudo à l'intérieur, qui va faire toute la différence en soi. Donc voilà, donc là on a le coffre qui a été un peu changé en termes de l'aménagement, donc c'est vrai que c'est plutôt pratique, maintenant c'est assez sympa, ça multifonction, c'est plutôt bien. On a également descendu la couche de Nether sur 3 étages différents, histoire de pouvoir farmer vraiment maintenant comme des petits chinois. Ça sera plutôt rentable, ça c'est sympa. On n'a pas touché au pastèque. Alors pour vous donner le rendu final au niveau du cactus que j'avais développé dans l'épisode avant, en rantaine, c'est un petit peu poussé, ça s'est un petit peu amélioré. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Cactus. Ah oui, d'accord, ça a bien farmé, ça a bien poussé. Ben voilà, vous avez un petit peu le rendu si vous voulez maintenant de ce que ça donne. Et ensuite, on a également encore modifié au niveau des poules. Je crois que c'est derrière toi, Fripouillex, qui t'occupait de l'aménagement des coffres. Ouais. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est plutôt pas mal parce qu'on a quand même pas mal de décès là. On en a même pas mal beaucoup. Donc, ouais, donc c'est pas mal, c'est bien. Donc, c'est vrai que c'est plutôt rentable. Et ensuite, est-ce que t'as laissé les blocs dedans? Ouais, voilà, ça c'est quelques blocs magiques qui appartiennent toujours à Iradoxy et Fripouillex. Donc niveau IS level, je crois qu'on va bien prendre, ça sera plutôt pratique. Bon, sinon rapidement, moi je vais vite fait aller au spawn. Je vais utiliser les fameuses clés, j'en ai 3 là aujourd'hui. Donc, allez, on part sur de la grâce. On part sur du fer. Et... la pioche, évidemment, évidemment la pioche, voilà, comme d'hab, ça change pas. Enfin voilà. Bon, Fripouillex, du coup, on va faire un beacon aujourd'hui. Ouais, faut juste que je prévoie où les beacons vont illuminer. On va le placer au centre de l'île, du coup, je présume. Ouais, par vers là où je suis, parce qu'en fait, il y a les usines là, donc les rayons. Ce serait bête qu'on doive avoir miné ta déco. Ah oui, c'est vrai, exact. Ouais, bah là, du coup, ça me paraît clairement honnête. Du coup, il faudrait des blocs, par contre, qui nous permettent de descendre jusqu'à couche 0. Ouais, t'as ce qu'il faut? Ouais. D'accord, ok, ça marche. Bon, bah... du coup, normalement, là, tout est bon, normalement. Donc ouais, comme dit là, donc du coup là pour cet épisode on met en place le beacon les amis. Et pour l'épisode prochain, je sais pas encore trop ce qu'on va faire. J'aimerais bien faire un épisode genre récolte où j'attends que tout pousse entièrement. On fait une récolte entière de tout pour voir juste un peu comment ça nous rapporte en French Coin. J'aimerais également après finir les épisodes déco parce que là on a commencé un petit peu quelque chose qui n'a pas été fini. J'ai encore quelques îles à faire. Ah ici il y a des arbres qui manquent, attendez, tiens on va les faire pousser. Tu me dis quand tu commences à poser un petit peu les blocs beacon, je viendrai voir un petit peu tout ça. Dans 2 secondes normalement. Ah d'accord, ok. Ok. J'arrive, je te demande juste à poser quelques pouces de sapin. J'ai une erreur. Oh calme. J'ai une erreur. Voilà. Alors, oh là il y a de la pastèque qui traîne, c'est toujours bon à prendre. Challenge. Voilà. Il y a un bloc qui ne passe pas correctement. Non, mais je crois que je me suis trompé dans les beacons. Après, je peux arranger ce problème. En tout cas, là, ils passent tous. Hein. De justesse, mais ils passent tous. Donc là, t'en as un. Ici. Oh! Mon téléphone qui s'est excité. Oh, c'est chou. Un message mignon, ça fait plaisir. Le bloc un peu surélevé, c'est celui-là qui...
Il passe là. Et donc lui c'est un bon normalement. Ouais ouais il ouais. est là, c'est bon. Il est bien. Et donc après logiquement t'en as un qui sera là. Un qui sera là. 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 Là 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 là. J'ai que ça en bloc comme foot. Oh zut, oh la tristesse. On a que des blocs d'or quand on est pauvre. Ah non, j'ai pas de bloc. Voilà, parfait. Parfait. Moi ça me plaît. Je peux miner le bois maintenant. Ouais ouais, tu peux. Bah c'est juste le coup. Ok. Allez. Ah j'ai oublié les blocs de fer. Ça pose souci. Et lorsque t'as un item qui est raccommodage, je posais la question du coup. Pour le réparer, il faut de l'XP. Et du coup, faut juste récolter de l'XP avec l'item dans la main. Ah, donc tu récupères de l'XP quand t'as l'item dans la main et ça te le répare, c'est ça? Voilà, enfin, ça te répare une chance une fois sur. Enfin, deux fois sur trois environ. D'accord. Pas tous les coups. D'accord. Donc en gros, il suffit que je gagne de l'XP. Mais sinon. Ah, donc du coup, je transforme mes items en bouteilles. Enfin, mes niveaux en bouteilles. Et là, du coup, raccommodage, c'est grave rentable. Moi, je peux te faire une usine semi-automatique. En fait, tu mets un dispenser, tu mets un levier au-dessus. Et le dispenser, dedans, tu mets des 30 fans. Niveaux 120 bouteilles, 20 niveaux 55 bouteilles. Ah, ouais, d'accord. Moi, je n'ai que 47. Bah attends, je vais un peu farmer là du coup. Oh en plus, y a masse de trucs là. Y'a moins que je passe niveau 30. Ouais. Ah, ça a explosé, zut. Ah, voilà, je suis niveau 30. Parfait. Rosa, mona. Allez, expérience 30 niveaux, 120 bouteilles. On se met bien, pas le temps de niaiser. 64, 56. Ah, l'item dans la main. Attends, mais comment je fais pour avoir l'item dans la main en même temps récupérer l'XP? Bah tu récupères l'XP. Soit en fait tu mets un coup d'épée, du coup ça tue plein de mobs d'un coup, tu te recules, tu mets l'item dans ta main et tu t'avances et tu prends l'XP. Et les fioles, donc ça veut dire que j'ai tout par terre pour qu'il y ait les boules d'XP. Et après je prends l'item dans ma main et je récupère. Ah, non par contre là c'est si tu veux faire un par contre c'est pas plus compliqué. C'est tu mets dans une dispenser. Non ça a marché, ça a bien marché. Nickel. Ah oh, ça marche de fou, ça marche de ouf. Tu prends les bouteilles, tu les casses au sol, au calmer, et ensuite tu sautes dessus avec l'item en main. Voilà. Eh, ça fait plaisir. Bon, par contre, ça coûte cher quand même, hein, du coup, en termes de niveau. Mais après, parce que, comme dit... Ah, et par contre, j'ai une question. Du coup, maintenant, si je fais raccommodage, j'ai des fioles d'XP, je claque les fioles d'XP avec l'item en main. Si l'item se répare, est-ce que je gagne l'expérience, moi, personnellement, ou pas? Non. Non, du coup, c'est l'item qui a pris l'expérience, c'est pas toi. Ok. Oh, comme c'est joli. T'as des blocs à me passer, par hasard, que je puisse aussi en poser? Ouais. Même si tu connais pas le menu, mais bon... Tiens. On a l'impression que c'est du lourd give. Merci l'ami. Allez, de l'or. Du fer. De l'émeraude. Du diamant. Oh, c'est joli comme tout. Après, faut tout relier. Faut tout relier? Ouais, pour l'instant. En sous forme de... Ok, d'accord. Donc je vais faire exactement la même chose. Je me souviens plus trop. Vas-y, je vais faire comme toi. C'est impressionnant la richesse qu'on a là d'un coup. J'ai aucun mérite, hein. J'ai clairement aucun mérite. Mais bon. En fait, les blocs d'or, tu vois, c'est... genre, quand tu vas Skywall, tu vas voir les blocs d'or, tu vas être content. Donc vas-y, hein, je fais exactement comme toi, hein, en termes de posage de blocs. Ok, non, c'est ça. Voilà. Ensuite, le fer, donc du coup... Ah non, ah, ouais, c'est plus grand en fait, l'or. C'est beaucoup plus grand. Pourquoi en fait tu veux qu'à chaque fois ça se rétrécisse d'un cran? Bah, faut qu'à chaque fois ça se rétrécisse d'un cran. D'accord, donc si l'or c'est plus grand, le fer je le pose de cette taille-là. Ouais, mais sauf qu'en fait l'or il est pas bien... Encore. Ou il est beaucoup plus grand. Il est beaucoup plus grand. D'accord, donc le fer faut que j'agrandisse encore un peu plus du coup. Attends, je vais te couper.
Et normalement, c'est ça. Ah ouais, à ce point. D'accord. Ah, c'est un beacon, hein. Ouais, enfin, quand même. C'est un bon beacon, hein, il se porte bien. Bah, les blocs d'or, il y a tout juste le nombre. Attends, faut que j'aille chercher des blocs de fer, parce que là, j'en ai plus. À moins que t'as tout pris. Mais je pense pas. En fait, j'ai pris tout ce qui était nécessaire à la construction. D'accord, bah vas-y, j'ai pris encore des blocs de fer, du coup. Pimp my beacon. Ah, par contre, du coup, ah, j'ai pas de... Bon, c'est pas grave. Donc du coup là c'est un cran de moins t'as dit hein. Donc si là je fais Ouais. ça comme ça c'est bon. Ou bien faut que je le fasse comme ça. Comme ça, c'est bon là. Ok d'accord Et nickel. un là. Parfait. Voilà. Faut que tu continues je crois encore. Pas de dégâts tout de suite. Là. Ok, nickel. Ok. Décidément, un beacon en fait ça coûte masse d'argent quand j'y pense. Hein. En fait, là, c'est juste qu'on fait un beacon x8. Ouais, enfin ouais, du coup, ouais. Attends, 1, 2, 3, donc 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Voilà, c'est bon, je crois que tout le fer est posé. En plus, je crois qu'en fait, sur les 8 icônes, on en avait payé qu'un. Tous les autres, on les avait farmés avec des têtes de Wither. Et les blocs d'or farmés aussi. Nickel. Bon, ensuite, il faut poser l'émeraude, du coup. Ouais. Et le diamant est bien posé, logiquement. Oui. Oui, par contre. Ah, non, bah, ah ouais, en fait, t'aurais pas dû poser le diamant. Parce qu'en fait, je peux poser en dessous le diamant. Ouais, j'ai vu. Regarde, je te donne un peu de visibilité, dis. Normalement, là, t'arrives plus ou moins à avoir accès à tout. Ah, je sais pas si j'ai beau. Normalement, là, tu peux poser tout partout, logiquement. Ah, c'est quoi, si je vais tout enlever, ce sera plus simple. Ça, t'es sûr de pas en avoir oublié? Ouais, parce que là, si on oublie un bloc, ça va être fatal. Voilà. Ok, parfait. Pose uniquement les blocs de diamants par-dessus les blocs que t'as déjà posés, hein, si jamais. Hein. Avec le shader, sans dire des blocs d'or. Par contre, du coup, c'est bizarre parce que là, il me manque un peu des blocs de diamants. T'en as pas assez? Il m'en reste que deux là, c'est tout. Non, moi je t'en ai donné qu'un stack. Je t'ai donné qu'un stack de diams. Oui. Ça fait chier par contre là on voit quasiment rien, il me faudrait au moins une torche ou un truc, je sais pas. Ou alors sinon je fais le slash time set day. C'est slash p time. Ah, et slash p time. Zéro. Slash p time. Day. Ah bah voilà, c'est tout de suite mieux. De toute façon, en fait, 2 secondes après, il va y avoir un beacon qui fait un peu du. Le beacon qui veut pas s'activer. Ça, je peux. Les effets aussi, putain. Effets spécifiques. C'est joli comme tout. Par contre, j'ai enlevé les blocs de bois en dessous du coup. Si tu veux. Alors, ici. Pourquoi Pourquoi il veut passer les T2 là? Pourquoi il ne veut pas?
Logiquement, on a tous les blocs, hein. Logiquement. Parce qu'en fait, il faut pas laisser hériter d'eux. Moi, j'ai aucun effet du tout pour le moment. Non, c'est vrai. Ah, mais non, en fait, on a oublié des blocs d'or. On a oublié des blocs d'or? Ouais. Où ça? Je sais pas. C'est le problème. Ah. Tu penses qu'il y a pas assez de blocs d'or autour? Ok, c'est bon. Là, c'est pas bon. Pourquoi ça ne l'est pas? Ah, je suis là, c'est bon. Ok, ils sont tous bons. Fais attention à ce que tu fais. Là dans les beacons, du coup, tu fais quoi ensuite? Je crois que tu m'as l'ingot de faire, c'est ça? Ouais. Je vais éviter de dépenser un bien plus pour ça. En gros, sinon, après, tu peux mettre n'importe quel item dedans, c'est ça? Pas n'importe quel, mais émeraude ou diams ou or ou fer. Fer, oui, oui, enfin, ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et ça permet de l'activer ou Ouais. Donc il suffit de mettre un lingot de fer et valider, ça le fait, du coup. Ah, c'est bon, on a tout. Voilà. Donc il régénération. Parfait. Mais du coup, c'est grave cool. Éventuellement, si on a des blocs de vide, ça pourrait être pas mal, histoire de fermer le sol. Je sais pas si on a des blocs de vide de couleur. Ouh, on pourrait même pimper en gros. Mais bon, pour le moment, là j'ai des blocs de verre donc on va poser ça comme ça en attendant. Et du coup, tu peux faire statue de verre. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai mon téléphone qui s'est excité tout seul. Oh my goodness. Ok. Bon, bah du coup, je crois que c'est déjà pas mal. On a du coup les blocs qui sont faits. Ah oui, je voulais tester. Fais statue de verre. Ah ouais, d'accord, c'est vrai qu'avec célérité maintenant les pastèques, c'est vrai que c'est un peu gratuit quoi. Ah ouais, c'est grave gratuit les pastèques maintenant. Oui. Ah oui, d'accord, ouais, tu m'étonnes, ouais. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Alors slash yes level. Et on est 1021. Ah donc du coup je pense qu'on est dans le top classement là, non? Niveau numéro 10, non? Non. Non. Toujours pas. Non, 1300. Ah, il y en a qui ont augmenté, d'accord, ils ont bien augmenté depuis hein. Ah les cochons là, les coquins. Ah ouais, du coup c'est vrai que c'est pas mal du tout pour les pastèques là. Ah ouais, c'est grave rentable maintenant. Ah, c'est pas mal du tout ça. Ah, j'aime bien. Je crois que je vais récolter les pastèques plus souvent. Le truc c'est après si tu fais 3, si à partir je crois que c'est 3 ou 4 étages de ça, et tu peux éliminer à l'infini. Parce que du coup le temps que tu récoltes tout, bah... Ouais, ça va le temps de repousser, tu m'étonnes, ouais bah ouais. Ouais bah on fera ça de toute façon, ouais ouais, ça c'est l'objectif un peu maintenant. Devenir les premiers serveurs du Friend Sky, on y arrivera. Et avec en fait, cactus... le premier en level c'est facile. Ce qui est plus difficile, c'est d'être le premier en grade. Ah oui, ça c'est un peu plus délicat. T'as un petit modon qui s'appelle Rafa qui... Voilà. qui a pas mal avancé. Ouais, ouais, exact. Ok. Bon bah du coup les amis, on va se laisser là pour ce 21ème épisode déjà de Skyblock. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Donc on a enfin positionné le beacon, ça va nous faciliter je pense, quand même pour pas mal de choses. Et dans un prochain épisode, ben, on verra ce qu'on fait. Bon les valous, bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mush avec Fripouillex. On vous fait la bise et puis à la prochaine. Allez, ciao. Ciao.